Et la question porte sur Serou Guirassy, l'attaquant guinéen qui est devenu le meilleur buteur des éliminatoires Cannes 2025 avec 5 réalisations en 2 matchs. Une prestation conforme à son début de saison tonitruant avec Dortmund. Est-il désormais favori pour le titre des joueurs africains de l'année? C'est oui pour vous, Nabil. On écoute d'abord vos arguments en 40 secondes. Dites-nous tout. Bah pour moi, il était déjà favori, pour être honnête avec vous. Alors c'est vrai qu'on lui met Lookman comme concurrent, mais Lookman, il est apparu plus tard dans la saison lors d'une finale avec un triplé. C'est vrai, exceptionnel. Mais ce que fait Guirassy, bah, c'est des stats à la Kane, à la Drogba, à la Samuel Eto'o, à la Lewandowski. 28 buts en 28 matchs, un but de moyenne par match. Là, il cartonne avec la Guinée notamment. Il est en tête des meilleurs buteurs des éliminatoires de la CAN, 10 buts sur les 8 derniers matchs. Si c'est d'autres joueurs qui font ça, on se pose même pas la question s'ils sont favoris. Mais j'ai l'impression que ce garçon manque un petit peu de considération. Voilà, bon, c'est vrai qu'il n'était pas là forcément à la dernière CAN, il était blessé, mais Lookman, il fait un bon parcours, mais à partir des demi-finales, il disparaît. Donc pour moi, Guirassy, c'est une évidence, il doit être meilleur joueur africain de l'année. Fin des 40 secondes réglementaires, on enchaîne avec la réponse d'Elton Mokolo. Vous défendez un point de vue différent. Pour moi, c'est pas le favori, Serou Guirassy. Moi, j'irais justement du côté de Lookman parce que on a besoin d'avoir des images. C'est-à-dire que, à partir du moment où Lookman, il a été partie prenante du parcours du Nigeria, qui a fait son meilleur parcours depuis la CAN 2013, en étant déterminant, notamment face au Cameroun, à partir du moment où il a été décisif en finale de Ligue Europa, tout ça, finale le CAN et Ligue Europa pour l'Atalanta, tout ça me fait penser que on doit avoir une forme de méritocratie et mettre en avant Lookman qui a remporté des trophées. Serou Guirassy, évidemment, c'est meilleur classement pour Stuttgart depuis 2007, mais à côté de ça, il manque ce trophée et il y aura toujours cette idée de s'il avait été présent physiquement, enfin à 100% à la CAN, qu'est-ce que ça aurait fait pour la Guinée? Il ne l'a pas été. Et forcément, je mets en avant Lookman. C'est la fin donc de ce premier bouche à bouche. Que des bons arguments, hein, des parts et d'autres. On va passer à l'arbitrage. Et dans ce rôle, hein, on a un vieux sage qui est autour de la table. Samuel Obey, comment vous départagez? Qui vous a convaincu? Oui, les deux arguments sont de valeur, mais il a oublié de dire que Lookman était remplaçant souvent du côté de la. Non, mais j'avais déjà, Non, mais je lui suis dit. En finale contre Liverpool. De partout l'environnement, il me paraît que il me semble que c'est malgré tout Guirassy qui est le favori. Mais je trouve quand même qu'on est, on oublie vite parce que celui qui est là à l'affiche, on oublie la saison qu'il a faite l'année dernière en Première Ligue. On l'a totalement oublié. Il est sous les radars. Salah, comme s'il n'avait pas joué, mais pourtant... Ils ont banalisé les performances. Oui, on a banalisé les performances de Salah, mais je pense effectivement que c'est Guirassy qui va être... qui est le favori, c'est dans l'air, c'est dans... Ça se sent. Surtout qu'il tape fort là, avec la Guinée. Là. Et avec Dortmund, il faut aussi le préciser. Vous avez déjà le point, il ne faut pas... Ah non, mais je... Est-ce que Mamadou Niang va aussi vous donner ce point? Ah oui, totalement. Ah ouais. Moi, je donne le point à Nabil parce que moi, je suis... Moi, j'ai envie qu'on valorise aussi une saison entière. Parce que, comme Nabil l'a dit, il a été régulier sur toute une année, sur toute une saison, pardon. Même s'il n'a rien gagné. Lookman, j'ai beaucoup de respect pour le joueur, parce que c'est un très grand joueur qui a fait une très, très grande saison aussi. Mais il a été plus irrégulier que Guirassy. Et on ne peut pas valoriser un joueur qui a été déterminant sur un match, même si c'est une finale de Ligue Europa ou une demi-finale. Qu'un joueur qui a été bon sur la continuité, surtout à Stuttgart, où il est arrivé sur la pointe des pieds. Et à la sortie, il sort avec des stats comme Harry Kane. C'est phénoménal. Il est dans la continuité la saison dernière, où il marque en Champions League, où il a été décisif avec l'équipe nationale de la Guinée, où il met un triplé, il met un doublé. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une saison qui est complète pour Guirassy et qui mérite le Ballon d'Or aujourd'hui. Donc il n'y a pas de débat. C'est non, mais il y aura large victoire. Non, il peut y avoir débat. Mais il y aura moins débat. Parce que moi j'ai arrêté les arguments. Entière. Un joueur qui gagne, on est quand même dans un sport collectif, qui permet à son équipe de gagner des titres. Et un joueur qui gagne. Il faut valoriser quand même une saison, parce que c'est long une saison et c'est très dur. Je vais vous poser une question maintenant, très sérieusement. Harry Kane, il ne gagne pas de titre. Si Guirassy, il est sur les mêmes standards. Si Harry Kane, il est international africain, le même joueur, est-ce que vous dites, posez la question, est-ce qu'il mérite ou pas le Ballon d'Or? Non. À côté d'un Baléba qui fait gagner le Cameroun. Non, mais je pose la question. On reste fidèle à ce qu'on a dit. Je pose la question comme ça au passage. On reste fidèle. Parce que Kane, il ne gagne pas de titre. Hein. Ouais. Par contre, il est tout le temps nommé dans tous les trucs.
Giroud, Guirassy, est-ce qu'il mérite le ballon d'or? Est-ce qu'il mérite le meilleur joueur africain? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Guirassy. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot. Ici nous on est passionné par le foot. Le foot c'est notre passion. Donc si tu es intéressé par la thématique et surtout si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est pour ne pas. Alors, Guirassy les gars, est-ce qu'il mérite le ballon d'or? Est-ce qu'il mérite d'être le meilleur joueur africain? Déjà, les gars, ce garçon est monstrueux. Ce garçon est monstrueux. La saison dernière, il a fait une saison de psychopathe. Il a fait une saison de malade mental. Et cette saison, il est sur ses mêmes standards. En Bundesliga, en 5 matchs, il a marqué 4 buts. Il a marqué 4 buts en Bundesliga cette saison. Et contre Saint-Pauli, ce week-end, notamment vendredi, c'est encore lui qui donne la victoire au Borussia Dortmund. C'est encore lui qui donne la victoire. Ce garçon est monstrueux contre l'Éthiopie. Contre l'Éthiopie au match aller, il a mis un triplé. Au match retour, il a mis un doublé. Ses stats parlent de lui-même. Il est monstrueux en FDC. Il a joué deux matchs, trois buts. Et moi, je ne sais pas pourquoi il n'est même pas dans les 32 nominés. Pour moi, c'est vraiment un scandale. Ne pas voir Guirassy dans les 32 nominés Ballon d'Or, pour moi, c'est un scandale. C'est un scandale. Pour moi, c'est top 5. Meilleur avant-centre du monde. Top 5. Lorsque tu vois, tu as Erling Haaland, tu as Lewandowski, tu as Kylian Mbappé. Après ça, il y a encore qui. Pour moi, c'est top 5. Meilleur attaquant du monde. Top 5. Guirassy. Il est seulement sous-côté. Il est sous-côté, les gars. Il est sous-côté. Ses stats sont ahurissantes. Il a 3 buts en 2 matchs en FDC. Il a 4 buts en 5 matchs en Bundesliga. On ne parle même pas en sélection, là où il a battu quasiment à lui seul l'Éthiopie. C'est lui qui bat l'Éthiopie. Lui, on parle de Lookman, mais Lookman, pour moi, on le connaît seulement en finale de Ligue Europa lorsqu'il met un triplé. Sinon, Lookman n'a pas été régulé sur toute la saison dernière. Lookman, c'est un très bon joueur. C'est un très bon joueur, mais je pense que Guirassy est encore dessus. Guirassy est encore dessus, donc pour moi, on doit prendre ce ballon d'or là. Ce ballon d'or, on lui donne. Pour moi, ce n'est même pas discutable. Ce n'est pas discutable, les gars. Pour moi, il n'a même pas de concurrent. Donc, Guirassy, en termes d'avant-centre mondial, pour moi, actuellement, c'est top 5. Moi, je ne vois pas pourquoi il n'est pas dans les 30 nominés Ballon d'Or. Pour moi, c'est vraiment un scandale. Ce joueur, il est sous-côté. Ce joueur n'est pas reconnu à sa juste valeur. Et pour moi, il devrait remporter le Ballon d'Or, puisque sur le continent, il n'a pas de concurrent. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Est-ce que tu estimes que Serou Guirassy mérite le Ballon d'Or? Dis-moi tout, et ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.